ودابا بحال نجدو الوطني غادي نعاودو كلشي انا حطو معنا مزيان حنا ندير اكسبيريونس ناخذ ان ميتو كوندري هادي ميتو كوندري مزيان شنو هادي ميتو كوندري هذا سي لا مونبران اكسترن نيسبا مونبران اكسترن مونبران انترن في دي زانفاجيناسيون c'est ce om des crêtes et Voilà, la ou on a des mais bien la membrane, donc on a la membrane externe, membrane interne, espace intermembranaire, matrice ou des crêtes, Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exposer la mitochondrie aux ultrasons, ultra, ultra son, mais ultrasons, malheureusement, il faut que ça ultra Ultrason. Donc, on va exposer une mitochondrie aux ultrasons. Qu'est-ce qu'il va arriver Il y aura fragmentation de la membrane interne. De la membrane interne, est Fragmentation de la membrane interne mitochondriale. Si on fragment. des fragments, des fragments les sphères Et Riche en sphères Et Dans la membrane interne, il est toujours riche en quoi une sphère pédonculée. Donc chaque fragment, il va construire par la suite une vésicule, des Donc il y a une vésicule. qui Fait à la barre, les sphères pédonculées. Il y a une autre vésicule. Vésicule Voilà, recouverte par des sphères pédonculées. Voilà, comme ça. Donc, ce sont des vésicules qui sont recouvertes par des sphères pédonculées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces quatre vésicules obtenues dans quatre milieux différents. D'un milieu numéro 1. Milieu numéro 2. Milieu numéro 3. Milieu numéro 4. Et on va. J'en prends. Je vais mettre la pre première vésicule dans le premier milieu. Milieu 1, milieu 2, milieu 3. Milieu, donc, première vésicule qu'on va mettre dans le milieu numéro 1. Voilà, ici. Si on a les sphères pédonculées. Donc, c'est une vésicule qui est recouverte par des sphères pédonculées. PHI égale à. 4, pHe égale à 8. Donc, ici, il y a une différence de pH entre et ça veut dire interne. E, ça veut dire externe. Donc, il y a une différence de pH entre le milieu interne, interne et le milieu extérieur, et, ou le milieu externe de la vésicule. Donc, pHe égale à 4. Ici, pH -E égale à 8. Donc, pH est faible, reflète une concentration élevée d'H, qui marque la chimie. Donc là, il y a une relation étroite entre la concentration de, de proton H, et de pH. Donc lorsque pH est très faible, donc la, donc la concentration d'H, est très élevée. Donc ici, on a pH égale à 4. Ça veut dire la concentration d'H, est égale à 10 à la puissance moins 4, n'est-ce pas Donc ici, le pH est interne est faible, pH externe est élevé. Ça veut dire que la concentration d'H, à l'intérieur de la vésicule, est élevée. La concentration des protons H, à l'extérieur de la vésicule, est faible. Et on a ajouté ADP plus PI. Et on observe comme résultat synthèse, synthèse d'ATP. Donc il y a formation d'ATP. Milieu 2. On a ajouté une vésicule. Mais cette fois-ci sans sphère pédonculée. Donc, n'est pas recouverte par les sphères pédonculées. pH égale à 4, pH à 8. Il y a un gradient de pH. Et comme pH est il y concentration d'H+, qui Il y a une concentration d'H+, qui est là. concentration d'H+, Donc, pH mal la concentration d'H+, c'est Au rendez-vous, la DP plus PI. À la fin de l'expérience, on remarque qu'il n'y a pas, pas de synthèse d'ATP. Pas de synthèse d'ATP. Mieux 3. On va mettre une vésicule voilà, avec des sphères pédonculées. Voilà. PHI égale à 7. HE égale aussi 7. Donc, on va ajouter ADP plus Pi et on observe qu'il n'y a pas, pas de synthèse, pas de synthèse d'ATP. Milieu 3, on va ajouter une sphère, une vésicule recouverte par... Des sphères milieu 4, Donc, on va ajouter une vésicule qui est recouverte par des sphères pédonculées. PHI égale à 4. PHE égale à 8. Donc, on a un gradient de PH. On va ajouter ADP plus PI. Et on va ajouter une matière comme ça, FCCP. FCCP, c'est une substance qui rend la membrane interne perméable au protons. Résultat, c'est pas de synthèse d'ATP. Donc, la question. En exploitant, question. En exploitant. En exploitant. En exploitant. Les résultats les résultats obtenus obtenus déduire déduire les conditions les conditions de la synthèse de la synthèse d d -P. voilà donc pour répondre à cette question, on doit analyser les résultats de chaque milieu. Milieu 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une expérience très simple. Donc on va mettre là. Premièrement, l'analyse. Analyse. A -na -lise. On va analyser dans milieu 1. Milieu numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Yac après l'ajout de quoi D'une vésicule recouverte par les sphères pédonculées avec un gradient de pH. Après l'ajout d'ADP plus Pi, on observe la synthèse Voilà. on a mis, on a mis quoi Une vésicule recouverte recouverte par des sphères pédonculées, des sphères pédonculées, pédonculées, avec un gradient de pH. Après l'ajout

Znalad de peptide, quelle que la synthèse d'atp? Tout simplement. Milieu 2, milieu 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une vésicule avec son sphère pédonculé n'est pas recouverte avec les sphère pédonculées. Dans les mêmes conditions précédentes, et on observe qu'il n'y a pas synthèse d'atp. Donc, on dans les mêmes Condition, condition précédente. En absence, en absence, je me Des sphères, des sphères pédonculées, pédonculées, on observe. On qu'il n'y a pas synthèse, qu'il n'y a pas synthèse d'ATEP. Donc, je pense que c'est un jour du milieu 2. La présence des sphères pédonculaires est indispensable à la synthèse d'ATEP. Haïti, la synthèse d'ATEP, Haïti, les sphères pédonculaires, mais qu'est-ce que la synthèse d'ATEP Donc, si les sphères pédonculaires, mais qu'est-ce qu'une synthèse d'ATEP Idenne les sphères pédonculaires, d'Arorien. ضروريين متفقين انت عندك الطوموبيل الطوموبيل حيتي إلى الرويد ما بقيتي خدام بها مزيان غادي تديك وتجيب حيتي إلى الرويد غادي تديك ما غاديش تديك دونك الرويد راه ضروري للطوموبيل حيتي إلى مثلا البارشوك راه غاتحرك غادي تديك دونك البارشوك ماشي ضروري متفقين الحاجه اللي غنحيدوها وما تبقاش لا سانتيز دا تي بي راه هذا ضروري الحاجه اللي حيدناها وما عاد لك بقات لا سانتيز دا تي بي دونك الحاجه ماشي ضروري Ici, nous avons les sphères pédonculées. Là, nous avons la synthèse de l'ATP. Donc, si nous avons les sphères pédonculées, nous avons une erreur pour la synthèse de l'ATP. Milieu 3, maintenant. Milieu 3. Qu'est-ce qu'on a fait Ici, nous avons les mêmes conditions précédentes du milieu 1, sauf qu'on a l'absence de gradient de pH

on absence quoi En absence du gradient, le gradient, du gradient de pH, on observe. Regarde, là qu'il n'y a pas, ce jour-là, qu'il n'y a pas synthèse d'ATP. D'A, T.

C'est une substance qui rend la membrane interne perméable. Non, il n'y a qu'un PHI égal PHE, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Je vois ce que vous avez dit. Il est PHI, quel est le PHO Je sais ce que la synthèse d'ATP est la blague. Si vous que la synthèse d'ATP, vous avez une synthèse d'ATP, pHe. avez une synthèse d'ATP, vous avez une synthèse d'ATP, vous avez une synthèse d'ATP, vous avez une synthèse رجع للميليو دابا دي كاد ديالنا عندنا عندنا لي ميم كونديسيون تقريبا ديال الميليو ان كلشي بحال بحال حاجه وحده يزدنا شنو هي زدنا هاد الماده كتقب هاد الغشاء هذا كتردو بيرميابل كتردو كيدوز اش بليس ملي ولا الغشاء كيدوز اش بليس ما بقاش لا سانتيز دات تيب دونك دا علاش ديتي الغشاء ديال لا ميتوكوندري وضفتيها لواحد ليه واحد الماده سامه ديك الماده سامه اش كدير كتخلي داك الغشاء يولي بيرميابل او بروتون اش بليس Donc, non, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Donc, donc l'imperméabilité de la membrane intermétochondriale est une condition indispensable à synthèse Et là, il a condition de 9, la synthèse le le d'ATP. les mêmes conditions du milieu numéro 1 alors voilà. lorsque la membrane interne la membrane interne devient perméable perméable il ne en a au proton au proton H plus on observe on observe qu'il n'y a pas synthèse synthèse dATP dATP donc de ces quatre expériences on peut déduire on peut déduire quoi on peut déduire les conditions de la synthèse dATP les sphères pédonculées, je vais vous donner la TP. Je vais vous le gradient de pH, <l> je vais vous donner la TP. Je vais vous la membrane interperméable, je vais vous Donc, je vais vous donner la TP. Je vais vous la sphère pédonculée. Je vais vous le gradient de pH. Je vais vous la membrane interperméable. Donc, je vais vous donner les conditions de la synthèse d'ATP par la mitochondrixion. Donc là, ben, dire déduction, déduction. Les conditions, les conditions de la synthèse, de la synthèse d'ATP 100 d'ATP 100 J'ai vu les conditions que l'on a. Y yeah. a

PH. PHI inférieur à PHE. PHI inférieur à PHE. Condition Tetechniya. Troisième condition. Il no. y a. L'impermeabilité. Impermiabilité. Impermiabilité. De la membrane. De la membrane interne.

sauf freine donc les conditions de la synthèse de la synthèse d'ATP. les principales conditions de la synthèse d'ATP. bon d'abord on va l'exercice à je je vais vous c'est un le قبل نديرو ديرو البيلون انرجيتيك يلا بيلون انرجيتيك شوفو دابا البيلون انرجيتيك بيلون انرجيتيك سبع معايا مزيان بيلون انرجيتيك نمشيو معاه هنايا نعاود يعني لكم لي زيتاب لا ريسبيراسيون بعوجه نحطهم قدامنا كاملين باش نفهمو هادشي اش قلنا قلنا لا ريسبيراسيون فيها 4 ايطاب شنو هي الاولى غليكو ليز الثانيه فورماسيون داسيتيل كونزيم ا الثالثه سيكل دو كريبس 4. chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative. Bon, on la glycolyse. La glycose, C6H12O6. Je vais vous dire que c'est divisé en deux. cest à y a deux acides pyruviques. Je vais vous montrer la formation des acides ch 3 co COH, CH3, CO, COH. Donc, deux acides périviques. Mais, la réaction est accompagnée par la réduction de 2NAD, en 2NADH, H, et la phosphorylation de 2ADP en deux ATP. chaque acide pyruvique va pénétrer dans la matrice. Où il va se transformer en acetyl A. C'est H3CO. Dans l'acétyl, il y a le COH. Il y a coenzyme A. Accompagné par la réduction de NAD+, en NADH H+, et libération de CO2. Même chose. L'acide pélvique ici va se transformer en quoi En CH3CO coenzyme A. Ça veut dire l'acide coenzyme A. Avec réduction de NAD+, en NADHH+. Et la libération de CO2. Par la suite, le cycle de Krebs. La cycle conzyme a va pénétrer Il y a donc des réactions cycliques, cest mis cycle de Krebs accompagné par la réduction de 3 NAD+ en 3 NADH H+, n'est-ce pas Réduction de FAD en FADH2, phosphorylation d'une molécule d'ADP en ATP et libération de 2CO2. Même chose va arriver à l'autre acécile Ça, va voyez, le cycle de Krebs. cycle de Krebs. Et accompagné par réduction de 3NAD, en 3NADH, H. Et réduction de FAD en FA DH2, phosphorylation d'ADP en ATP et libération de CO2. La dernière étape, chaîne respiratoire et phosphorylation oxydée, j'ai gagné. a gagné, ANADHH ⁇ et vous parlez à l'oxydation. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, Lina, ATP. Sur les trois ATP, sur les trois ATP. و اي اف ا دي اش دو غيوقع لها لوكسيداسيون عطينا دو زاتي صافقين اشي كيوقع في لا شين ريسبيراتوار اي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف مانو غنحسبو لو بيلون انرجيتيك بيلون انرجيتيك ما نحسبوش شحال من ان ا دي اش اش بلس وشحال من اف ا دي اش دو صاوبنا نخليو هاد الشيء تاع الخزان من بعد دونك نحسبوا لي ان ادي اش عندنا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة عشرة دونك شحال ان ادي اش 10 ان ادي اش اش بيش. زائد نحسبوا اف ادي اش 2 هنا ما كايناش اف ادي اش 2 هنا ما هنا كاينه وحده هي هنا ما هنا كاينه وحده هي وحده زائد وحده شحال جوج عندي جوج اف ا دي اش دو شحال من ا تي بي عندي حسب شحال من ا تي بي هنا عندي شي ا تي بي فوالا هما عندي جوج هنا عندي والو دونك بقاو غير جوج هنا عندي وحده هي ثلاثة مزيان هنا عندي والو كاين والو هنا عندي وحده هي أربعة بلس كاتخ ا تي بي هادو شغندير لهم غنصرفهم

Donc ça fait combien Ça fait 38 ATP. Ou d'ailleurs, il y a un conflit qui est sur 38 ATP. Ou là, il 36 ATP. Haha. LH. Il y a un conflit 2 est sur 36 ATH. Mais il y a un ADH qui est sur le FATH2. OK, je vais vous montrer le LH. Ça fait qu'il me dit, il le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Depend de vous. Le, le, le rendement énergétique de la respiration, celui-là. Rendement énergétique de la respiration cellulaire. Voilà. Je ne salue pas la respiration. Voilà. Donc, rendement. Rendement. Rendement de la respiration, celui-là. De la respiration ration cellulaire donc c'est le rendement. la filoglycose c6 h12 o6 avant d'être utilisé dans la respiration il contient une énergie de 2840 kJ

قبل ما نعطيه لك تاكلو كانت فيه 2840 كيلو جول ملي عطينا كليتيه وهدمتيه با لا ريسبيراسيون جبدتي منه 38 ATP تي شنو هو لو غوندومو لو انرجيتيك شحال هو شحال جبدتي على اللي كان في 100 هي 38 ATP على 2840 كيلو جول فوا 100 يساوي

et l'équivalent de quoi De 30,5 kJ. Donc on peut remplacer la TP par kilojoules, par 30,5 kJ. Donc le rendement devient 38 fois 30,5 kJ sur 2840 kJ fois 100... On va dire le kJ. 40. 80%. Voilà, c'est le rendement énergétique de la respiration la... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a de la signification du rendement énergétique que... que la cellule utilise seulement 40% de l'énergie emmagasinée dans le glycose. Donc, vous ai dit le glycose ou qu'on l'utilise dans la respiration, il y a des effets de l'énergie mais il plus élevés dans متفقين حنا عطيتك طوموبيل قلت لك ودي غنعمرها بالبلان مثلا 50 لتر ديال نظريا نظريا واحد 1500 كيلومتر ملي نتا ملي مشيتي بالطوموبيل ضرباتك غير 1000 كيلومتر لو غوندو عمرك كيكون ديما كيكون شويه دونك لو غوندو ما يكون عندك 1500 في 100 نفس الشيء هنايا اللي عطيتك تاكلو في 2840 كيلو انت بلا ريسبيراسيون يلا جبدتي منه 38 ا تي بي ما جبتيش هادشي كامل جبتي غير بي دونك هو هادي على هادي في 100 ما يمكنش تحسب هادي على هادي حيت وحداتين مختلفين خاصك واحد الوحدات حنا عارفين كل 30.5 كيلو نعوضو ا تي بي بكيلو دونك دابا شنو اي L'énergie, l'énergie utilisable, nous l'usamos elle est utilisable par la cellule. Chaldaise, d'après 60% film c'est-à-dire que la chaleur retardée là sur le muscle, sur le muscle, donc 60% est dissipé est dissipée sous forme de Chaleur, 60% malha, das, perdu, perdu, sous forme, sous forme de chaleur, de chaleur. Ça fait Donc, nous connaissons la respiration cellulaire. Voilà. Donc, à l'équation globale, l'équation bilan de la respiration cellulaire, bilan. De la respiration cellulaire. Respiration cellulaire. Donc, la équation C6 H12O6 plus o 2 plus ADP plus CO2 PI. nous donne là, CO2 plus CO2 H2O, plus 38 ATP, plus chaleur. Chaleur. Et non On peut fonctionner un peu plus tard. Et non Je vais vous dire ce qui se Il y a 2840 kJ. Ça veut dire 100% d'énergie emmagasinée dans le glucose. Je vais la respiration. Je vais vous parler de la respiration. La température est atteinte a 40% d'énergie, en chaleur 60% d'énergie. C'est l'équation bilan de la respiration cellulaire. Voilà. Donc on va faire un exercice Un l'exercice on dit le deba. Y ce que? Donc vous tu comprends bien, qu'est-ce qu'on dit On va le وموهيم بزاف خاصو يتعاود إيطيرسيس خاصو يتعاود حيت سير سير مو